en utilisant de la gouache pour représenter la solution hydroalcoolique. Friction des mains, paume contre paume. Paume contre paume, doigts entrelacés. Paume de la main droite sur dos de la main gauche et paume de la main gauche sur dos de la main droite. On s'aperçoit que l'extrémité du dos des doigts n'est pas couvert. Dos des doigts contre la paume opposée avec les doigts emboîtés. On observe que les pouces ne sont pas couverts. Friction circulaire du pouce droit enchâssé dans la paume gauche et vice-versa. Friction en rotation en mouvement de va-et-vient des doigts joints dans la main droite, dans la paume gauche et vice-versa. Base des poignets. Ceci souligne l'importance de l'ensemble des étapes du lavage des mains.